Une fois,
des médias, au-delà de toute considération que l'on puisse avoir, rien n'est plus beau, rien n'est plus merveilleux que les relations de sororité et de fraternité qui nous ont toujours unis tout au long d'un quart de siècle, relations dont nous célébrons aujourd'hui la quintessence. Mesdames, Messieurs, chers amis de l'UFM, qu'il me soit permis d'exprimer le plaisir que j'éprouve en ce jour en vous recevant dans ce beau cadre sobre qu'est la reine de la paix. Embarquée depuis la lointaine année 1997 dans ce bateau conçu et largué en plein océan par 8 jeunes femmes journalistes, notre chère association, bien que ballottée à tout vent de difficultés, a su braver autant que possible des vagues et des vicissitudes pour nous faire parvenir au bord du terminal qui est celui de ce quart de siècle. À l'origine, cette exaltante victoire que nous avons la fierté d'être allés ce soir, d'aller plutôt ce soir, sur la place publique, je vois que vous êtes notre public ce soir, ça n'a pas été facile. Les gens se demandaient quoi? À l'époque, en tout cas, les gens se demandaient. Une histoire des jeunes filles qui semblent avoir vu clair et qui tiennent mordicus à valoriser l'image de la femme dans et par les médias. Que des critiques n'avons-nous pas subies? Que des découragements n'avons-nous pas fait l'objet? Que d'obstacles n'avons-nous pas rencontrés? Mais toutes ces choses qui pourtant devraient nous enfoncer ou nous démolir ont été pour nous un motif d'émulation dans la navigation contre vents et marées pour accoster plutôt aujourd'hui au port d'un quart de siècle. Mesdames et messieurs, chers amis de l'Union Congolaise des Femmes des Médias, l'UFM, on ne le dira jamais assez, est l'une des rares associations féminines de sa spécialité qui a su rassembler dès la jeunesse de son histoire, tous les organes de presse, inlassablement, elle continue à faire du chemin et tient à piloter l'avenir avec l'effort conjugué de nous tous ici présents. J'ai cité bailleurs de fonds, partenaires, membres et amis, sans oublier le gouvernement, bien sûr. Certes, l'accostage à ce port du terminus, comme nous l'avons suspensionné, n'est pas une fin en soi, mais une occasion plutôt de s'arrêter un moment pour sabler le champagne, n'est-ce pas? C'est vraiment une occasion de trinquer aujourd'hui, de trinquer les verres, car primo manugare, dit-on en latin, c'est bundo philosophare. Il y a des latinistes dans la salle, j'espère. Après ce moment de réjouissance méritée, il nous faudra vite jeter un coup d'œil rétrospectif dans le passé et prendre la mesure de la chose pour un bel avenir de notre association. Quelle victoire! Un quart de siècle dans la gestion d'une organisation, ce n'est pas une maigre affaire que l'on puisse passer sous silence, en tout cas. C'est vraiment notre jubilé aujourd'hui, le jubilé de l'argent. Un grand événement qui se fête avec tambour et trompette, comme vient de nous démontrer Maravie tout à l'heure. Non seulement à l'interne, ici à Kinshasa, mais aussi à l'unisson avec tous ceux qui, de loin ou de près, ont contribué à la réussite de cette fructueuse expérience. Nous pensons ici à nos vaillantes membres des provinces de Kinshasa et de la diaspora. Mesdames et messieurs, chers amis de l'UFM, la petite UFM d'antan est devenue une grande famille avec des membres formés sur toute l'étendue du territoire national. Membres formés et expérimentés dans plusieurs domaines, je disais, tels le genre, la gestion des projets, la gestion des conflits, la gestion des ressources humaines, le monitoring des médias, ainsi que sur des enquêtes diversement variées, sur la question des genres, sans oublier l'éthique journalistique et la déontologie, et que sais-je encore. Mesdames et messieurs, chers amis de l'UFM,
sans contredit, l'ICOFEM constitue aujourd'hui non seulement une grande école de la vie pour les femmes journalistes et hommes impus de justice axée sur le genre, mais aussi une ASPL avec laquelle les partenaires devraient collaborer sans faille dans le strict respect de son unité nationale et de son organisation interne, chose qui, à nos yeux, a semblé échapper à certains partenaires. Cet événement festif que nous célébrons à Kinshasa et qui tourne tous les projecteurs vers l'OFM est une éloquente occasion, car elle dit mieux que tout autre vecteur de communication. Elle transmet une image rassurante et positive de l'association en vue de renforcer la confiance des partenaires ici présents, ainsi que celle des membres qui verront leur lien se raffermir. Cette fête étale donc non seulement les résultats d'un dur labeur, mais aussi elle démontre la pérennité de l'ICOFEM qui a su, durant son histoire, surmonter mille et une difficultés dans la mise en valeur et le tout pour l'atteinte des éditions de l'ICOFEM. Bien que j'ai le privilège de prendre la parole ce soir, le mérite de tous ces résultats fructueux et élogieux planés par l'ICOFEM durant ces 25 ans revient aux fondatrices qui se sont tour à tour succédées à la tête de l'association en lui laissant une mention spéciale et ce, grâce à leurs familles respectives, à qui nous rendons un vibrant honneur. Nous pensons à toutes ces directrices qui se sont succédées avant nous et à qui nous jetons des fleurs. Il s'agit de Cécile Kalambay, Hortense Massamba, Clarisse Moussé-Mbouzi, l'actuelle PSDA, Dorothée Souedi et Anna Maïmona Nguemba, à qui nous rendons un hommage mérité selon la mesure de leur grâce. Coup de chapeau donc à l'actuel comité de gestion qui a su prendre le taureau par les cornes pour relever tous les déficits émergents de l'heure. Nous remercions de vive voix tous nos partenaires potentiels ici présents, à savoir Reader News, USAID, RCN, Congolaise de Femmes, distingués invités à voter ce candidat. Que c'est merveilleux.